Salut. Entendez les trois personnes qui sont là. Salut Gaëden, bienvenue. Comment? Est-ce que ça va? Permis de mourir, salut. Coucou, permis de mourir, comment ça? Comment est-ce que ça va? La fatigue. Attendez. Ouais, avec ma caméra de merde. Est-ce que ça va? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Comptez sur moi. Pas sur moi pour participer, je vais m'endormir au doux son de ta voix. Ah, ça fait plaisir. Bah, endors-toi, c'est le but, hein. On est là pour ça. Ça va, je suis juste super fatiguée et tout. Je devrais me motiver à dessiner, mais ça me stresse. Mais non, te stresse pas. Le dessin, ça dépend comment tu l'abordes. Enfin, moi, c'est en partie une carrière. Oh, attends, j'ai enlevé ça. Moi, c'est en partie une carrière, le dessin, mais c'est surtout pour le plaisir. Faut faire ça pour toi. Faut pas faire ça pour les autres. L'important, c'est que tu fasses un truc qui, toi, te fait plaisir. Voilà. Tout simplement. Y'a pas à se stresser. Je rentrais pour un concours. Ah bah oui, forcément. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, tu fais comme tu peux. T'as pas à te stresser. L'important, c'est de faire ton mieux. Combattez, comme disent les japonais. Hein. Je viens d'enregistrer. Oh, pardon pour le bruit. Je viens d'enregistrer pour le jour 4 de Singing March. Le thème, c'est rock. Et je me suis éclaté la voix. Du coup, j'ai mal à la gorge. Mais ça va. Mais j'ai pas mal à la gorge. Genre, je peux parler. Tu vois, ça me fait pas mal de parler. Juste que je sens que j'ai crié. Mais ça va. Je vais juste éviter de. Je vais surtout soft speak, mais je vais pas beaucoup chuchoter. Parce que j'ai pas envie de. Parce que quand tu chuchotes, ça te nique la voix plus. Je vais chuchoter un petit peu, mais pas trop. Je vais surtout parler doucement, je pense. Mais du coup, vous avez passé une bonne journée? Les deux personnes qui sont là. Il y a personne d'autre. Je sais pas. Moi je dis. Le truc c'est que faut que j'arrête de faire ça en fait, de faire des lives et de pas prévoir ce que je veux faire. Courge comme disent les dyslexiques. Parce que j'ai séché les cours GVGT, je file. Je file moi la période où je l'ai encore en cours. Je faisais ça aussi beaucoup. Je me demande qu'est-ce que je pourrais faire pendant les lives ASMR. Faudrait acheter un pchitao, genre bon je me traite l'eau partout, mais ça serait un choix de son. J'aurais à prévoir, je rentre au con. C'est pas grave. Vous savez quoi? Partons sur du classique. Je vais fouiller dans mes tiroirs. C'est le bordel, c'est chiant. J'ai des ciseaux. Vous aimez ça, les ciseaux? Moi j'aime bien le bruit des ciseaux. Je sais pas, moi j'aime bien. J'hésite à faire des vidéos ASMR, genre au lieu de faire des lives. Enfin, je continuerai à faire des lives, mais je ferai aussi des trucs à côté, genre du RP. Enfin, des ASMR RP, genre tu es chez le coiffeur, et du coup. J'ai mal pris des ciseaux avec de la colle dessus qui ferme mal. C'est vraiment ça, parce que moi ça m'insupporte. C'est une bonne idée les vidéos. Donc, comme ça, je les prépare, tu vois, de mon côté, sauf que j'ai pas de très bonne caméra. J'ai un bon micro, mais pas de bonne caméra. Et j'ai pas envie de faire les vidéos, tu vois, les gens qui font de l'ASMR et qui disent POV, tu es avec ce perso de fiction et t'as juste l'image du perso et rien d'autre. Ça m'emmerde. J'aime bien quand c'est joli, filmé et tout. Je me coupe les cheveux. Il me reste encore une mèche, il y a une survivante. Une mèche blonde. Il y en a une de l'autre côté aussi. Mais en fait, ce que je vais faire quand j'aurai le time et quand j'aurai la décolle pour, c'est que je vais me teindre les deux mèches là à nouveau en blond et laisser ma frange brune ou alors faire ma frange blonde avec le reste, je sais pas. Vous en pensez quoi vous? Qu'est-ce que vous trouveriez plus sympa? C'est que je teigne les deux mèches là en blond ou que je teigne la frange avec? Conseil, je vous demande vos conseils beauté.
Oh. Je pense que le mieux c'est de faire que les mèches. Ok. Merci de ton conseil, Hermine. Je sais pas si vous aimez bien le bruit. Moi j'aime bien. C'est marrant parce que c'est le genre de bruit que je déteste dans les vidéos ASMR. J'aime pas du tout les... Enfin, m'endormir dessus. Moi, ce que j'aime bien dans les vidéos ASMR, c'est les gens qui parlent. Ils souvent ne parlent de trucs dont ils sont passionnés. Du coup, j'aime beaucoup trouver des vidéos de chaînes avec genre 500 abonnés, tu sais. Et du coup, ils parlent genre d'un truc qui les passionne et qui sont trop à fond dessus et qui se sont dit, je dois faire une chaîne pour en parler. Et du coup, voilà. Que les mèches, c'est très cool. Et si tu veux changer. Et si tu veux changer, tu peux. Ouais, c'est ça. Pinceau, mais je pense que je l'ai paumé. POV, ton âme brûle en enfer. Vous savez, des trucs préférés vous en ASMR, genre pas forcément les bruits mais les sujets. Parce que moi j'ai plus facile. Super, j'adore mourir. Super, bah c'est écrit dans mon pseudo, c'est bien trouvé. Moi j'aime bien les vidéos ASMR qui parlent de trucs qui passionnent les gens. Genre un mec qui va parler pendant 3 heures de Pokémon. Hello en live ASMR, salut le Kidox. Mais j'aime bien aussi quand c'est des trucs que je connais. Ça m'aide plus facilement à dormir. Parce qu'en fait, c'est un sujet du coup que j'ai en tête, que j'ai pas besoin d'apprendre dessus. Genre, j'ai regardé des vidéos d'une heure qui regarde un artbook d'un livre, d'un film que j'ai vu. Ou un artbook d'un jeu, ou un truc comme ça. Ou en vrai, mes préférés. Mes ASMR préférés, c'est des ASMR sur des trucs Nintendo. Genre ASMR Animal Crossing. Genre des ouvertures de trucs. ASMR Histoire de Kingdom Hearts. J'ai regardé un live ASMR. Sur un artbook de Kingdom Hearts. C'était très chouette. La meuf, elle lisait, enfin elle feuilletait son artbook. Et il était super joli. Du coup, c'était cool. ASMR ouverture de cartes Pokémon, là, les secondes. Tu rigoles, tu rigoles. Tu rigoles, mec, mais... On rigole tout ça, mais attends. Elle est sortie il y a genre 3 jours. Je l'ai regardée aujourd'hui en travaillant. Elle est trop bien. Je vous conseille sa chaîne. Elle s'appelle ALB ASMR. ALB in Whisperland ASMR. Et c'est. Elle est trop belle, déjà. Faut préciser qu'elle est sublime comme madame, elle est très belle et elle est très chouette. Elle a même fait une vidéo, celle-là que je pointe là, avec Matty Tingle qui est un autre créateur ASMR. Et ils ouvrent des packs chacun leur tour. Et ceux qui ont le plus de cartes rares, et ben ils gagnent un prix, enfin ils gagnent une carte qu'ils avaient mis en lot à la fin. Enfin bref, les ouvertures, les ASMR cartes ouverture Pokémon, c'est très sympa. Elle a aussi fait aujourd'hui un où elle vous ferait des figurines Animal Crossing, c'est de ça que je parlais. Et j'adore regarder ça quand je travaille en vrai. Pour m'endormir le soir, j'en écoute plus trop, mais quand je travaille pour me relaxer, pour me calmer, c'est bien. Voilà. N'hésitez pas. Premier ASMR de Kalius sur la Steelbox de Pokémon Ruby Saphir, c'est nostalgique pour moi. C'était un premier contact que j'ai avec l'ASMR. Ah, c'est chouette ça. C'était quoi votre premier contact à l'ASMR? Moi, un peu honteux.
la personne avec qui j'ai découvert c'était quoi l'ASMR et l'effet que ça avait sur moi. Vraiment, qui m'a introduit à l'ASMR, c'est Poisson Fécond. Parce qu'il avait fait une vidéo sur les sons 3D. Et j'adorais cette vidéo. Parce que j'étais en mode, putain, des sons qui tournent sur tout ça, c'est trop stylé. Et ensuite, il a fait une vidéo qui introduisait l'ASMR. J'ai jamais regardé ses vidéos ASMR parce que j'aime pas sa voix. Mais j'ai découvert, par le biais de sa vidéo présentation, la première chaîne ASMR que j'ai suivie qui s'appelle ASMR Request. Qui n'a plus fait vidéo depuis genre 3 ans. Elle a arrêté. Parce qu'il y a eu un événement dans sa vie pas cool qui a fait qu'elle a dû arrêter les vidéos. Et elle a essayé de reprendre à un moment, mais ça a jamais, elle a jamais repris vraiment. Du coup, j'étais triste. Mais voilà, maintenant ma chaîne de prédilection, c'est ALB et JB. Moi aussi, le son 360 secrets de Poisson Fécond. Ouais, je suis pas toute seule. C'est un bon conseil, je vais essayer d'écouter de l'ASMR quand je vais travailler. Bah ouais, si ça vous va. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, le problème, c'est que la plupart des vidéos ASMR que je regarde, elles m'intéressent. Du coup, j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Du coup, les seules vidéos ASMR que je mets pour m'endormir, c'est des vidéos que j'ai déjà vues plein de fois ou voilà. Moi, c'est l'APC ASMR qui m'a fait découvrir l'univers ASMR avec une vidéo sur une boîte Titanic. L'APC, je connais pas. L'APC ASMR, je connais pas. Oui. C'est trop chouette. Ça, moi, avec ma prof l'an dernier. Wesh alors, salut Sirène. J'avais ça avec ma prof l'an dernier. Et en fait, elle était super chiante. Et elle avait pas une voix très agréable. Genre, elle parlait un peu de tête, tu vois, elle parlait comme ça. Mais genre, un peu voix de vieille, quoi, pas cool. Et du coup, en fait, quand tu devais aller la voir pour parler tes propres projets, elle parlait très bas parce que t'es. Il n'y avait pas son bureau, elle avait pas de bureau, elle avait pas une pièce à elle, tu vois. Du coup, tu lui parles. Sur son bureau devant tout le monde et du coup elle parle pas trop fort pour pas déranger les gens et du coup elle venait près de toi, elle disait alors tu penses que ton projet on pourrait peut-être prendre une inspiration de cet artiste là et moi j'étais en mode parce que je trouvais sa voix trop relaxante. Mais sinon moi mes vraiment premiers trucs d'ASMR que je me souviens quand j'étais petite c'est que je voulais tout le temps alors pas la version sale mais je voulais tout le temps jouer au docteur avec tout le monde et je voulais trop qu'on m'ausculte. J'adore aller chez le médecin, j'adore me faire ausculter, genre qui te mettent les trucs dans l'eau et qui disaient respirez, respirez, respirez. Et puis on te dit vous avez ça, vous avez fait ça, on te malaxe, on te met les trucs dans l'oreille. J'adore ça, ça me met trop bien. Je connais pas la chaîne. Salut Ezra, bienvenue. Salut Tchétché. La PSMR, il était bien avant qu'il se mette. Pour ses coups vus à l'endormabilité, ah, je connais pas du tout. Une chaîne que j'aime beaucoup, j'ai oublié son nom. Mais c'était une chaîne, c'est un mec qui faisait des marionnettes. Genre pas pour chaque vidéo, mais pour ses vidéos, il créait des marionnettes pour faire de l'ASMR. Et je trouve ça plutôt ouf. Alors ça fait un peu trop gay, mais j'adore les piqûres. Ah vraiment? Moi j'adore pas. Ça me fait un peu peur quand même. Parce que en fait, je vais pas aller dans les détails pour les gens qui ont peur des piqûres, mais l'idée que ça rentre en moi. Que ça me rentre dans la peau. Genre, quand j'y pense pas et qu'on me l'a fait, je m'en fous, tu vois. Comme je te dis, voilà quoi. J'aime bien les prises de sang, bah, ça va, tu vois, c'est rigolo. Mais quand j'y pense plus de 2 secondes, j'ai envie de m'évanouir, tu vois. Mais j'ai pas peur. Parce qu'en fait, je laisse tomber, tu vois. Mais voilà quoi. Genre, quand tu vois l'équipe. Non, non, pas de détails, il y a des gens qui ont des phobies. Je préfère les vidéos avec des triggers et tout. Ah oui, genre pas les gens qui parlent, genre des bruits et tout. Moi, je préfère les gens qui parlent. Les phrases double sens involontaires, je suis désolée. Je suis désolée. J'ai quoi? Oh. Je suis désolée, c'était pas du tout relaxant, c'était très bruyant. J'ai deux désirs. J'ai toujours gêné. J'en ai. La sixième, elle est pas là. Mais du coup, j'ai plein de Daisy. ASMR Daisy. Pardon pour les piqûres, pas de soucis. Au
J'aime beaucoup Daisy. J'ai acheté cette figurine pour moi. J'ai acheté cette figurine pour moi. Puis on m'a offert une figurine Smash parce que on sait que j'aime Daisy. Puis on m'a offert une figurine Mario Bros parce qu'on sait que j'aime Daisy. Et puis on m'a offert une autre parce qu'on sait que j'aime Daisy. Et que malheureusement Daisy n'a pas beaucoup de merch. N'a pas beaucoup de goodies. Parce que Nintendo ne l'aime pas. Et c'est pas une blague. Ni une exagération. Miyamoto déteste Daisy. Enfin elle la déteste pas. Il aime pas parce que c'est pas lui qui l'a créé. Ce que je peux comprendre. Genre c'est à l'époque où ça passait. Les licences elles passaient d'un studio à un autre. Et ils kiffent pas qu'ils ont créé un personnage sans son consentement. Et que maintenant elle est utilisée un peu partout. Mais bon, c'est pas juste. Premier degré, j'ai beaucoup aimé la vidéo de SMA Sandage. Avant de parler de ce soir, c'est vraiment trop bien. Du coup, je dis à des potes que j'aime bien dans Sandage parler doucement et rigole. Non, mais le kitox, je comprends. Moi, une de mes vidéos ASMR préférées, c'est même pas de l'ASMR. C'est. Enfin, si, c'est de l'ASMR. C'est. Joey, The Anime Man, qui, je passe pour te remercier pour Akemi, mon axolote, des gros bisous, et Blair, celui de Sérène, qui sont juste adorables pour ton taf général. Je vous fais des bisous, des gros bisous. Captain Morgan, c'est, je vois qui t'es, mais je t'ai reconnu seulement par ton truc Paypal, parce que j'ai pas vu que t'avais changé de pseudo depuis. Gros, des gros bisous. Mais oui, ma vidéo ASMR, c'est pas du tout... une vidéo ASMR que j'aime plus, c'est pas du tout par un créateur ASMR, c'est Joey The Anime Man qui a fait une vidéo genre défi, je fais une vidéo ASMR en japonais parce que le mec parle japonais, il est australien japonais, et du coup voilà, il a fait une vidéo en ASMR en jap, et j'aime beaucoup cette vidéo, je la trouve très drôle. En fait les vidéos ASMR elles marchent mieux sur moi quand c'est drôle. Je préfère quand c'est drôle, quand c'est hyper sérieux, en mode ok, aujourd'hui on fait ce trigger là, je maintenant nique ta mère. Je veux un roleplay un peu rigolo, ou un mec qui, ou une meuf qui sont à deux et qui se marrent, tu vois. La plupart du temps je préfère ça. Après des fois c'est aussi quand t'as quelqu'un qui est préparé, qui te présente des trucs et tout. Mais je préfère quand c'est un peu sympa quand même. Et désolé, j'ai fait une tête bizarre, c'est parce que je regarde mes rides de front dans le retour. Je veux devenir comme mon père. Tu connais Rafi Taffy? Non. Jap australien, exactement. Jap australien, merci. Le terme est parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh. Regardez ce que m'a offert mon ami Théromic. Est-ce que vous connaissez Vaati de Minish Cap? Parce que moi, oui. Sublime. C'est fait par une artiste qui s'appelle Yopo, que j'aime beaucoup. Dès que je vais à la Japan Expo, je lui achète, c'est même pas une blague ou une exagération, c'est un réel chiffre, je lui achète l'équivalent de 100€ de merch juste à son stand. Et la dernière fois que j'ai été à la Japan Expo, c'est il y a un moment parce que Covid, dernière fois que j'ai été à la Japan Expo, j'ai dépensé 400€ au stand artiste. Soutenez les artistes, c'est important. Et ils font du meilleur travail que les boîtes officielles et les boîtes de contrefaçon. Soutenez les artistes. Pardon. J'ai ma calculatrice. Ça, c'est l'école, ça. C'est une calculatrice. TI. Celle-là, ou alors vous avez eu la turquoise. Moi qui aime Mass Effect, et merde, ultra cher, cherche des artistes
qu'il y en a qui font des sublimes trucs Mass Effect. Des pins, des prints, même des figurines. Je cherche les artistes, il y en a toujours plein. Dites-moi un calcul à faire, je le fais. Dites-moi un calcul. Quelqu'un dit un chiffre, quelqu'un dit l'action, genre plus, moins, fois, et quelqu'un dit un autre chiffre. Allez, dites-moi un chiffre. Dans celle-là, du coup, elle le traînait parce que dans les scientifiques qui demandent quelqu'un de Nantes Balle, celle-là. Nantes Balle, là, un bonheur, ouais, ça fait. Moi, mais 562, je note. 562. Moi, c'est. X-ray, il me faut juste une action, du coup, fois. Ok, je note fois. Oh! 562 fois. Et il me faut plus qu'un dernier chiffre. Et du coup, j'ai dû payer 100 balles pour des pics. Voilà. Pour des pics à précision. C'est de la merde. J'avais une humeur que je connais pas. Oh. ASMR, lève gercé. À quel point mes lèvres c'est le désert. 38. 38. Et c'est égal à 21 356 2 1 3 5 6 2 1 3 5 6 Allez, on commence. Donnez-moi un autre chiffre. Personne n'a calculé.
Action, c'est genre un Primark. Enfin, c'est genre. C'est un magasin où tout est pas cher du tout. C'est un magasin. Avec des trucs un peu pourris. Des trucs comme ça, quoi. Genre des trucs. Des trucs pas chers, voilà. J'ai quoi d'autre là-dedans? Ça, c'est mon rouge à lèvres préféré. À la base, je l'ai acheté pour mon coloc. Attendez. Je suis désolée, c'était un peu bruyant. Ah, genre, Noz, c'est quoi? Tu viens d'où, toi? Si ça te dérange pas de le dire, Ezra. Parce que je pense que les Français, ils connaissent Action. Non. Ou alors, c'est un truc belge. Ce qui est marrant avec son gel aussi, que t'as l'impression qu'il est genre brun, roux, brun noir, tu sais. Mais en vrai, il est genre violet rose. Et du coup, il est beaucoup plus coloré qu'on dirait qu'il est. Voilà. J'ai les lèvres bien trop rouges, mais au moins ça cache que j'ai les lèvres défoncées. Je frotte assez, je mets de l'eau, il est parti de ça. Ça, je le mets, il te reste 3 jours si tu n'arrives pas avec du putain de démaquillant. Il est très fort, il est vraiment très fort. Là, j'ai une pince Murakami. Mais c'est pas mal. Ça a rien à voir, mais je vais en Belgique, en école tard l'année prochaine. Tu vas aller à laquelle, toi? J'ai été. Tu parles d'école, de grande école, ou alors d'école de lycée? Parce que moi, j'ai pas fait plus que le lycée. Déjà.
non. Le truc est coincé. Oh non, 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 non. Casse-toi. Arrête d'être coincé, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pitié. Décoince-toi. Arrête. Hop. Déjà, une chaîne. C'est cool, les chaînes. Et la tête d'un oiseau mort. Non, c'est pas un vrai oiseau mort. C'est un bijou. Ça a l'air hyper intime aussi, pas pourquoi bizarre. C'est juste dire, tu peux le faire. Tu n'es pas à rater. Ton anxiété, enfin, le fait que tu te dises que t'es qu'une grosse merde et que personne t'aime, c'est pas toi, c'est ton anxiété. Tu n'es pas une grosse merde. Et les gens t'aiment. En tout cas, les gens qui comptent. Si les gens. Si beaucoup de gens t'aiment pas, si t'as l'impression que tout le monde te déteste, il y a peut-être un truc qui doit changer par rapport à toi. Du coup, c'est bien de faire de l'introspection pour s'améliorer et ne pas se dire qu'on n'a rien à changer et que les autres, c'est le problème. Du coup, faites de l'introspection, mais ne vous laissez pas submerger par l'anxiété. Je crois que c'était en train de chialer. C'est bien. J'ai un pote qui a adopté un chat trop mignon, miaou. Ils ont raison ou pas. Parce qu'il y a des trucs, des fois. Genre, des profs d'art de merde qui te disent.
Et n'hésitez pas à confronter vos profs aussi. Moi, j'ai confronté mon prof pendant 3 ans. Et maintenant, il m'a dit, grâce à toi, j'ai changé ma perspective sur les gens qui dessinent du manga. Et je lui ai fait lire une BD, alors qu'il n'aime pas les BD. Je lui ai fait lire Black Sad, et il a adoré. Et alors, du coup, vu que je lui ai fait lire Black Sad et qu'il était vendu sur les animaux humains, j'ai fait mon TFE, travail de fin d'études. Du coup, bon, j'ai passé mon bac, et j'ai réussi haut la main mon bac. Enfin, l'équivalent du bac, en faisant des furies. Parce que quand on veut, on peut mettre des furies dans son examen de fin d'année. Croyez en vos rêves. Croyez en vous ce que vous aimez et ce que vous aimez dessiner. Confronter les profs, ça marche quand les gens sont pas déjà. Oui, bah, mon prof, il était cool. Il était un peu buté et dans son truc, mais il était cool. Si vous confrontez votre prof et que ça n'en vient qu'à lui qui dit ferme ta gueule, tu as tort, tu es un élève, ne confrontez pas votre prof, ça sert à rien. Ça va juste vous détruire. Faites ça, voilà. Mais si, je parle en mode plutôt initiative. Genre, vous écrasez pas tout de suite. Confrontez. Et si vous voyez que ça sert à rien, arrêtez. J'ai confronté un prof, j'ai juste pris un. Je suis prof, je n'ai rien à m'apprendre. Ah oui, ça c'est des cons. Parce que les meilleurs. Les meilleurs profs, c'est ceux qui apprennent de leurs élèves. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et que je pense que passer des années avec des gens plus jeunes que toi, qui n'ont pas le même parcours de vie que toi, et qui sont encore qu'à la moitié, même pas la moitié, le dixième de leur parcours de vie, c'est hyper intéressant, parce que tu vois des gens qui viennent de milieux, de plein de milieux différents, qui ont des a priori différents, et qui ont des peurs et des futurs différents, et voir ça comme une bande de gamins en couche-culotte qui n'ont rien appris de la vie et que tu vas tout leur enseigner, c'est de la stupidité. Parce que ces gens-là, ils peuvent t'apprendre, même un gamin de 10 ans, il peut t'apprendre plein de choses sur toi. J'adore, j'aime pas les enfants, parce qu'ils me terrifient, ils sont trop full de potentiel et de vie, et ça me fait trop peur, et c'est très impressionnant un enfant, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui a très peur parce qu'il ne sait pas. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur parce qu'il ne sait pas. Et la naïveté et l'intelligence d'un enfant, ça me terrifie parce qu'ils sont très très intelligents. Je pense qu'on devient plus con en grandissant, personnellement. Un gamin va te poser une question en mode comment on fait des bébés? Tu vas dire putain, il est con. C'est juste parce qu'il n'a pas. Il n'a pas le savoir qu'on apporte. Tu sais pas ça quand t'es petit, tu vois. Tu l'apprends. Tu apprends comment marche la chimie, t'as comme ça. Mais t'as une intelligence quand t'es petit. T'as une curiosité qui te rend sublime. J'adore. Juste, il faut retenir un peu des enfants parfois. C'est important. Quand on fait de l'art, quand on fait juste la vie, etc. C'est bien. N'hésitez pas à revenir à l'enfant intérieur. Quand vous dessinez, que vous êtes en train de faire des trucs beaux et que vous essayez de bien appliquer. Faites du dessin spontané. Faites un rond. Prenez des crayons. J'ai fait ça une fois. Je sais pas pourquoi, c'est une expérience de vie qui m'a marqué. Tu prends une feuille de papier blanc. Tu prends des crayons gras. C'est vraiment les crayons. C'est trop dur de faire un truc propre avec. Tu fais un gros rond. Et tu fais des yeux. Et tu fais un soleil avec un sourire. Ça fait du bien. Parce que tu dessines juste un truc qui te rend heureux. T'adores les chats. Fais un chat. T'adores les chiens. Fais un chien. T'adores les cochons, fais un cochon, t'adores. On s'en fout. Amusez-vous. Amusez-vous. C'est bien. C'est vraiment bien. De s'amuser. C'est important. Ah oui, j'ai pas vu. Bouchoutou, bienvenue.
Ce que vous voulez, tant que ça fait du mal à personne, tant que c'est conscient, et tant que vous essayez de vous améliorer. Et vous améliorer, c'est pas forcément devenir meilleur en dessin, c'est être une meilleure personne. Voir ce que les gens autour de vous peuvent vous apporter, vous rendre compte de ce qui vous fait du bien, et vous rendre compte de ce qui vous rend heureux, et vous rendre compte de ce que vous faites mal, et ce qui fait du mal aux gens autour de vous, et ce qui vous fait du mal, ce qui vous autodétruit. Même à 80 piges, tu peux toujours t'améliorer. On est des constants, on est des êtres en constante évolution. Et dire qu'on a atteint un summum quelque part, c'est faux. Des fois, tu penses tout savoir d'un sujet ou d'une façon de faire. Et puis tu régresses. Mais pas tu régresses en mode tu deviens moins bon et t'oublies tout. Juste tu prends du recul et tu te rends compte. En fait, pour moi, le truc que... Des fois, tu pratiques un truc pendant 10 ans et puis t'es en train de régresser d'un coup et d'avoir tout, pas tout oublié, mais genre, c'est parce qu'en fait, c'est pas que t'as tout oublié, c'est que tu penses que ton truc c'est ça, t'as l'impression d'être comme ça, enfin t'as l'impression, mais genre ça c'est, imaginons, tu fais de l'art, du dessin, ou même tu te développes ta personne et tu penses que t'es devenu la meilleure version de toi que tu peux être. Tu fais ça, t'as l'impression que t'as fait ça, ou ça même, tu vois. Mais en fait, des fois, t'as au bout d'un moment de ta vie, tu te rends compte que c'est ça, et toi t'as fait ça. Et du coup, t'as l'impression que t'as régressé de ouf. T'as l'impression, genre, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour faire que ça? Mais en fait, le truc, c'est qu'on se dit qu'on a fait ça, ou ça, ou ça. En fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de contenu, de savoir, ou de capacité. Ou de... Bon, après, il y a des trucs genre physiques, tu vois. Genre un athlète, un machin comme ça. Il y a des trucs qui se calculent, qui sont visibles, tu vois. Mais en termes de capacité mentale, en termes d'effort physique, en effort personnel. Ça, ça n'existe pas. Parce que tu fasses ça, ou ça, ou ça, d'amélioration, dans un espace infini, ça ne veut rien dire, tu vois. En fait, ça, c'est pas genre le niveau que tu peux atteindre dans une capacité, dans un truc ou ça, ou pas, tu vois. Je veux dire, désolé, c'est flou. Mais ça, c'est pas genre... le niveau maximum d'art, ou le niveau maximum d'être une meilleure personne. En fait, la seule limite, c'est ta vie. C'est le moment où tu nais, le moment où tu meurs. Et du coup, c'est important de profiter de ça pour faire le plus. Mais faire le plus, ça veut pas dire faire tout pour être le meilleur et pour être la meilleure version de soi-même. C'est vivre au jour, s'améliorer petit à petit et prendre ce qu'il y a. Parce qu'on a un peu l'impression, on a envie d'avoir le plus possible avant d'en finir. Mais en fait, prendre le temps d'apprécier le chemin qui nous fait avancer vers une meilleure personne ou des meilleures capacités, ça fait partie du plaisir. Et je, personnellement, genre, je regrette aucun moment où j'ai été cringe, où j'ai été... une personne un peu désagréable ou une personne égoïste dans ma vie, parce que ça fait que je suis maintenant moi, que je suis toujours sur certains points un peu égoïste ou sur certains points un peu sensibles, mais je sais que il y a des erreurs que je ferai plus, il y a des erreurs que je fais encore et je m'en rends compte et les améliorer, il y a des erreurs que je fais encore et que je m'en rends même pas compte et que je m'en rendrai sûrement compte dans plusieurs mois ou dans 10 ans, il y a des erreurs que j'ai pas encore fait et que je ferai bientôt, mais ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de happy ending, tu vois. La vie, si on sort les phrases clichés, on n'a qu'une vie et la vie, c'est des hauts, des bas. La vie, c'est des moments, des mauvais moments et des bons moments. Ce qui est triste avec la vie, c'est que les bons moments, ils durent pas. Mais ce qui est bien avec la vie, c'est que les mauvais moments, ils durent pas non plus. Du coup, au lieu de se sentir mal parce que ça va pas,
vous avez le droit de vous sentir mal. Vous avez le droit de vous sentir mal si un truc ne va pas aller mal, tu vois. Mais au lieu de vous dire ça ne s'arrêtera jamais, dites-vous que ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne pourra pas. Ça peut pas, genre, ne pas s'arrêter, au moins un petit peu, tu vois. Et après, je parle pas de dépression clinique ou de trucs comme ça, des trucs qui sont vraiment difficiles, mais il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Et là, même s'il y a besoin d'aide pour beaucoup de personnes, pour se sentir mieux et tout, la seule personne qui a le pouvoir de vraiment faire changer les choses, c'est vous. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de beaucoup aussi se réfléchir sur soi-même, même si on se sent désespéré, etc., qu'on se dit qu'il n'y a personne. C'est pour ça que je trouve que c'est important de savoir se débrouiller seul. Et c'est pas juste savoir vivre seul, sans ses parents, etc. C'est juste savoir faire son évaluation mentale tout seul. Bien sûr, c'est pas en mode soyez votre psy, en fait, allez voir un psy. Mais du coup, c'est ça aussi, c'est être capable de comprendre qu'il faut voir un psy, être capable de comprendre qu'il faut genre en parler autour de toi, être capable de comprendre ce qu'il faut faire et pas faire. Et ça, tu le fais avec l'aide de tes amis, des gens autour de toi. Attendez. Ça, tu le fais grâce à de l'aide extérieure. Mais au fond, c'est à toi de prendre ces infos et de construire comment tu réagis face aux situations, comment toi tu te sens et tout. On va pas trop se rapprocher au mauvais moment. On va peut-être trop se raccrocher au mauvais moment en oubliant les bons. Retenir le positif, c'est plus dur que le négatif, mais en faisant des efforts, on revit. Oui, je suis un peu d'accord, DJ. Jink, ouais. Oh non. Mais oui, c'est ça. En fait, en se disant que ça va pas durer, les bons moments, bah forcément. Ouf. Si tout ce que tu fais pendant un bon moment, c'est angoissé sur le fait que ça va pas durer, bah ça va devenir un mauvais moment. Et du coup, tu vas genre gâcher ton mauvais moment. Tu vas avoir que des mauvais moments. Enfin, tu vas gâcher ton bon moment et tu vas avoir que des mauvais moments. Mais c'est dur de penser au positif. Du coup, c'est ça aussi, il faut travailler dessus. Il faut trouver des cheat codes. Genre, quand tu te rends compte que t'es anxieux, tu fais un truc spécifique qui sait que tu y seras bien. Pas forcément, tu regardes un film ou tu vas faire un truc qui te plaît, mais juste tu fais un truc pavlovien, tu vois. Tu fais en sorte que, genre, dès que tu te sens mal ou que tu penses à machin, tu fais un petit truc, tu vois, à la con, que t'aimes bien. Tu vois, genre, tu regardes cette image spécifique ou tu parles à cette personne, mais genre, d'une certaine manière, genre, pas un truc immense en mode tu parles de tes problèmes, mais genre, juste faire ce petit truc. Et peut-être que tu, au fur et à mesure, en faisant ce petit truc, dès que tu te rends compte que tu penses que t'es vraiment pas bien, genre, dans une espèce de mood pour rien, tu vois, juste par anxiété, ça va t'aider à en sortir. Après, je dis ça, je suis pas pro et machin, etc. Je parle d'expérience et de comment on sent. Et j'espère que vous allez trouver vos moyens à vous. Parce qu'en fait, il n'y a pas de solution universelle de comment se sentir bien dans sa vie et comment être heureux. Ça dépend de vous. Et ça dépend de comment vous abordez votre vie et les gens qui sont autour de vous. Et gros courage à tous les gens qui ont du mal. Parce que c'est dur. Ceux qui ont des insomnies aussi. Parce que, voilà, on va se mentir, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là à minuit et demi, à faire des lives. Parce que je dors pas beaucoup, mais je vais essayer. D'ailleurs, je vais pas tarder à finir le live, j'aimerais bien aller me coucher. Enfin, en tout cas, essayer de dormir. Après, il y a aussi l'espèce de redescente après un jig à bon moment qui peut être sur moins bon, mais la redescente où tout retombe, c'est naturel. Et c'est un moment spécial dans ma vie. Dans une vie, je pense. Oui, c'est ça. Et je pense que le moment de retombe, c'est bien de le prendre un peu en mode. Il faut apprécier le calme après la tempête, tu vois. Il faut apprécier ce moment où tout redescend parce que ça veut pas dire. Il faut pas se dire putain. Ça... Après, il y a des moments où tu vois, c'est des gens que tu revois que tous les 3 ans et tu te dis putain, il n'y aura pas ça avant un moment, tu vois. Mais je pense que c'est important d'apprécier le moment où c'est plus calme et t'as l'impression qu'il se passe pas grand chose, tu vois. Bien sûr, il y a des moments où c'est vraiment déprimant, mais il faut la vie est plein de bonnes choses et genre c'est pas genre il y a ma cloque qui je pense voulait aller aux toilettes mais a fait demi-tour parce qu'elle avait
dit j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave, tant pis, je suis désolée. Je vais vous laisser du coup, je vais aller dormir. J'espère que ça vous a plu ce petit live. Hein. Je sais pas combien de temps ça a duré. J'espère que ça durera au moins une heure, quoi. Que ça fasse un peu de contenu. Bon. Allez, je vous dis bonne nuit. J'espère que c'était quand même sympa pour vous. Je fais pas beaucoup de live ASMR parce qu'à chaque fois je me sens. Parce que justement, quand on parle d'anxiété, quand je finis un live ASMR souvent, je me sens pas bien. Parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire et j'ai pas l'impression que c'est pas du tout bon et tout. Merci pour le stream, c'était cool. Et ben, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Heartboom, ben, bienvenue Heartboom. J'avais pas fait.